retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un vlog. Et est-ce que vous savez où on est? Je vous montre. Vous entendez pas? Attention! On y va? On y va! On vient de sortir de l'application Crush. De l'appli. Dans une application, c'est trop ça. On était bien de sortir de la manège. Voilà. Si tu veux. Mais l'application, c'était marrant. Crush Coaster. Franchement, c'était cool. C'était la première fois que je le faisais et c'était très chouette. C'est un manège à sensations, du coup, bah parfait. Et je regrette par contre qu'on n'ait pas été devant au niveau des tortues. Ouais, bah ça dépend. On était derrière. Voilà, ça dépendait. Et en fait, je pense que devant, c'était quand même. C'était mieux. Bon, remarque, derrière, c'est pas mal aussi. Hein. C'était pas mal, mais après, on n'avait pas tous les aussi beaux décors. On les a vus derrière, quoi. Ouais, voilà. On a vu après. On a perdu un petit peu notre voix aussi. Légèrement, mais on ne va rien dire, c'est les manèges de sensations. Entre voilà. À tout à l'heure. Nous voilà. On vient d'aller faire des photos avec Mickey. On a vu Dingo, on a fait des photos avec Dingo. Elle est tombée amoureuse de Dingo. Ouais, il nous est arrivé un problème majeur. C'est pas de ma faute. Avant toute chose, je cadre que sur moi. C'est pas de ma faute. D'accord? C'est pas de ma faute. C'est la faute de tes poches de ton pantalon qui ne servent à rien. C'est les poches, ça sert à ça, à rien. J'avais perdu mon ticket, ma place, donc je pouvais plus sortir ni rentrer de Disneyland. C'était. Compliqué, donc bref, on a vu avec eux comment faire, on leur a montré la preuve d'achat et du coup ils ont pu nous réimprimer mon ticket, donc merci à eux, je les aime. Je râlais tout ce matin, mais là franchement, on a eu peur. Hein. Ils sont hyper gentils, le monsieur qui était à la billetterie était hyper sympathique, hyper gentil, il a compris tout de suite la situation. Il a vu qu'on était désespérés, il a dit ok, je leur donne tout de suite le billet. Ouais, enfin, on a volé sa patronne. Voilà, donc on a fait une fois la tour de la terreur et là. Et donc là, comme. Vous m'avez tous dit que Luca devait le faire une deuxième fois puisqu'elle déteste cette tour. Ben, on s'est dit maintenant ça semble être pas mal. Donc c'est parti, on va aller faire encore une fois la tour de la terreur. Qu'est-ce que t'en penses? T'as hâte? Moi, tes premières impressions avant d'y aller? Quand je vais vous voir, sincèrement, je vais vous faire une crasse aussi. Hein. Parce que ça, mon cœur il part, mais on dirait que je pars dans l'espace. C'est pas possible. En vrai, je peux pas vous filmer l'attraction parce que c'est trop rapide. Et de toute façon, ils veulent pas. Mais... ils arrêtent pas. Elle arrête pas de crier juste dans la première salle où il n'y a même pas encore l'ascenseur. Ou juste ils t'expliquent l'histoire. Et elle hurle. Non, mais il y a des choses aussi qui font peur, c'est pas de ma faute. Elle a peur de l'orage, du coup elle crie à chaque fois qu'elle entend l'orage. Et c'est juste très très drôle. Donc voilà. On se fout bien de ma gueule aujourd'hui, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait à nouveau? Ça tourne la tête. On y retourne. Merci. Ça t'oblige, je voulais pas faire. Lucia, t'es contente? Terrifying. Ça va pas du tout, faites exprès. 45 minutes d'attente pour en plus que je meurs. Je vous remercie. Et vous allez me payer. Coucou. On s'est posé faire un. On avait un petit creux, du coup on s'est dit qu'on allait manger un petit truc. Et regardez ce qu'on a pris. C'est pas trop mignon. Un on a pris Groot au chocolat. Un petit Groot pourri au chocolat. Moi je dis que c'est le plus mignon de. Vous ne comprenez pas pourquoi vous voyez ça. On était obligés de se prendre ça. Donc voilà, on va se partager ça. Et puis voilà, à tout à l'heure. Tu fais un bisou. Après la tour de la terreur. Pensez à moi. On a pris les passe-passe pour aller beaucoup plus vite parce qu'on a attendu 45 minutes la dernière fois. Je vous montre la queue qu'il y a. C'est-à-dire personne. Ok, bon, on vient de finir. C'est bon, elle l'a fait plusieurs fois, on valide le challenge. Je tremble encore. Moi je le refais plus, vous me donnez plus de challenge comme ça, faut arrêter. Autant les autres, elle est d'accord, autant celui-là. On est sur Insta, c'est fou. C'est fou. Si on en mettra d'autres, n'hésitez pas à nous rejoindre comme ça. Et bien je vous mettrai d'autres petits challenges qu'elle déteste. Mais c'est horrible, franchement je me sentais tellement mal, j'ai tellement crié que les filles à côté de nous elles ont fait « Oh t'as vu, t'as fait ah !» Ouais bah sans blague. Oui, tout le monde s'est moqué de toi. J'étais très 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 mal. Je crois que demain je n'aurai plus de voix. J'aurai plus de voix. J'ai trop du mal à parler. Et genre je tremble encore, c'est pas possible. Mais moi je pense que demain j'aurai une extinction de voix, mais pas aussi forte que la tienne, tu vois. Parce que je crie parce que j'adore ça, mais elle est vraiment terrifiée. Genre c'est pas un cri de joie, c'est vraiment un cri de terreur.
Du coup, ça rend la chose assez drôle. On n'a pas pris les photos, mais on peut pas les prendre, elles sont trop horribles. C'est pas possible, ma tête sur chaque photo. Elle est tétanisée, mais tétanisée pour de vrai. C'est pas possible. Et là, on va aller se faire. Quelle heure il est? Bon, alors, Lucas, tu vas nous montrer à quel point tu cries? Cris égale énergie, on va voir combien d'énergie j'ai encore. Apparemment tout. Est-ce qu'on n'a pas un peu de chance à vous? Pas besoin de passe-passe, on va dans Space Mountain, qui sera plus à Star Wars. Et il n'y a pas de queue puisqu'on est les premiers. Parce que ça viendrait ouvrir. Allez, salut! À tout à l'heure! Thank you.